15h11, flash spécial sur Radio Moustique. On nous informe que des jeunes de Port-Saint-Louis-du-Rhône tentent en ce moment même de quitter la ville par tous les moyens imaginables. Passeur d'images, c'est le résultat d'un travail qui a commencé en 1991. La volonté de deux institutions, le Centre national du cinéma et de l'image animée et des institutions en charge de la politique de la ville. Leur objectif, c'était de rassembler tous les acteurs de terrain et de faire vivre l'éducation à l'image et la citoyenneté de partout sur le territoire. Cette proposition avait beaucoup de sens puisqu'on était dans une période très complexe par rapport aux banlieues et que émergeait l'idée d'inventer ce qu'on a appelé la politique de la ville. Et donc c'est vrai que l'idée d'apporter du cinéma dans des endroits ghettoisés était une idée très forte et qui avait énormément de sens. Passeur d'image, c'est un dispositif qui vise à une meilleure inclusion sociale de l'ensemble de la population, notamment des jeunes. Et les jeunes vivent sur des territoires. Donc la question des territoires est essentielle, qu'il s'agisse de territoires politiques de la ville, mais il peut s'agir aussi de territoires en zone rurale précaire, sur lesquels l'action publique a tout à fait vocation à agir. Pour nous, CGET, Commissariat Général à l'égalité des territoires, qui portons la politique publique de la ville, donc en faveur des 5,5 millions d'habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, nous visons avant tout les plus jeunes d'entre eux. Simplement parce que dans les quartiers, vous avez une très forte proportion de jeunes, qui fait que nous devons être en situation collectivement de fournir à nos jeunes les outils qui leur permettent justement d'appréhender cette question d'éducation aux images. Et c'est bien ça dont il est question. Une politique publique qui agit sur les territoires en direction des populations pour qualifier l'expression de la jeunesse. Alors, vas-y, commence. Moteur. Voilà, ça tourne à l'image, ça tourne au son. Est-ce que t'entends quelque chose quand tu fais ça? Ok. Action. Mon quartier, il est beau, on peut jouer. Et mon quartier, il est trop petit, mais il est bien et j'ai ma maison. Le cinéma, pour moi, c'est une émotion. Les professionnels qui viennent dans les ateliers, c'est des réalisateurs, c'est des scénaristes, c'est des monteurs, des techniciens, enfin tout ce qui touche le cinéma. Il y a aussi des ateliers qui sont plus variés autour de la cascade, du fond vert, des effets spéciaux, plutôt les bruitages. C'est comme ça que fonctionne le cinéma. On va cacher, décacher. C'est-à-dire que si je vais très très vite, vous ne le voyez pas. Et si je fais 2-3, on a une décomposition du mouvement. Tout ce qui touche l'image, le cinéma, de près ou de loin, enfin vraiment c'est important de rendre accessibles ces outils, parce que le cinéma, ça peut paraître complexe, difficile à atteindre. On est submergé par les images, par les vidéos, par les écrans. Et c'est bien d'avoir un petit peu de recul et puis de construire un œil critique sur ce qui nous entoure. L'accès à la fiction se fait de manière complètement décomplexée, débridée, folle, ultra créative avec les ateliers. Vas-y, non, de l'autre côté, regarde, je vois pas ce qu'il y a écrit. Ici, 5 sur 3 premières en classe. Voit. Ce qui se transmet dans des ateliers comme ça, c'est que les participants vont peut-être aimer le cinéma, des films qu'ils verront, parce qu'ils seront traversés par l'idée que certaines choses, ils peuvent aussi le faire, plutôt que justement d'être dans une frontière absolument imperméable entre le spectateur et le faiseur, quoi. Bah, moi, j'ai bien aimé apprendre des choses, déjà parce que on voit un peu l'envers du décor. On apprend certains trucs qu'on ne connaît pas, en fait. C'était bien de manier les caméras. J'adore tout ce qui est technique, la régie, les caméras. On se connaissait pas tous, hein, mais on avait l'impression de se connaître, hein. C'est la fraternité dès les premiers instants, c'est ce qui m'a marqué. Alors, c'est pas une logique professionnelle, hein, ça reste amateur, mais c'est une logique où on joue des rôles de professionnels. Et le jeune qui fait la prise de son, il est preneur de son. Celui qui fait les images, il fait les images. Et le repérage des lieux est hyper important. Sur le premier film des aventureurs, le repérage des lieux était fondamental. Il fallait retrouver le désert du Mali, il fallait retrouver les forêts marocaines, tout ça dans le nord, quoi. Le désert du Mali, ça peut être très compliqué, hein, parce que là, les plages du nord, elles sont tellement grandes qu'en plaçant la caméra, ça aussi c'est intéressant, en plaçant la caméra d'un certain point de vue, on ne voit pas la mer.
on voit pas les dunes, on voit que les étendues de plage, donc de désert. Donc on a été sur la plage de Gravelines et on a des super vues du désert du Mali qu'ils ont traversé à pied. L'identité de passeur d'image, c'est que c'est vraiment un dispositif qui est horizontal. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. D'un côté, on va amener des choses, une ouverture culturelle que les jeunes n'auraient pas forcément clairement si on n'amenait pas ces actions-là. Mais dans l'autre sens, c'est un dispositif hors temps scolaire. Donc on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser à ce qu'ils sont, à leurs apports, à leurs pratiques, à leur identité. Dans la crise, il y a cri. Ils ont beaucoup de pratiques au quotidien autour de l'image. Avec leur téléphone, ils filment. En fait, toute la journée, ils sont en train de se faire des vidéos ou des photos et tout. Mais quand on leur dit, bon, est-ce que vous savez faire un film? Qu'est-ce que c'est un film? Alors là, il y a un gros blanc. C'est pas évident d'écrire un film. Il faut savoir construire, il faut aller peut-être au fond des choses, il faut se prendre la tête, si je puis dire, dans le bon sens du terme. Et pour ça, il faut être accompagné, il faut être aidé. Moi, je suis un adulte, ça fait longtemps que j'ai quitté l'adolescence, donc tout d'un coup, il faut que j'utilise et que je m'inspire de leur énergie et de leur façon de s'exprimer. C'est bon? Je m'appelle Nora, j'ai 21 ans, j'habite à La Rochelle. J'adore manger, j'adore cuisiner, surtout faire des gâteaux. Je suis très curieuse de savoir comment vous vivez dans vos quartiers. Est-ce que c'est pareil que chez nous à La Rochelle? Moi j'habite dans un quartier depuis toute petite et je ne me vois pas habiter ailleurs. Comment manier une caméra, comment manier un appareil photo, un scénario, des storyboards. On a appris tellement de choses en fait. Ces projets en fait ont été le déclencheur en fait de mon intérêt pour le cinéma, pour la vidéo, pour la photo, pour le monde artistique en fait. Au fur et à mesure parce que j'ai appris à me connaître moi-même du coup au fil des ateliers. Mais du coup, c'est en voyant et en prenant du recul face à ces ateliers que je me suis dit, en fait, c'est là-dedans que j'ai envie d'être, c'est pas ailleurs que je veux aller, en fait. Il est terminé. En fait, il y a une autre partie qui est importante, c'est la présentation du projet. On s'aperçoit que les jeunes qui sont là s'approprient vraiment le lieu et qu'il puisse y avoir un dialogue qui s'installe entre les jeunes, mais surtout avec la salle. Ça, pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Voilà. J'ai souvenir de jeunes très inhibés qui ont présenté leur film en salle devant 400 personnes, qui ont répondu à la question de « qu'est-ce que ça t'a appris ?» Ils ont répondu « ben, je peux vous le dire, parce que ça m'a appris ça, sinon j'aurais pas pu vous le dire. » Quand il rentre de l'école le soir, il fasse moins de bazar. Parce que vraiment, c'est insupportable. Pourquoi on décide de faire un film avec nos voisins? Peut-être mieux. Peut-être mieux se connaître plus. Ça fait quoi la différence en dehors, en dedans ou en dehors? Oh, si, allez. Bon, je vous pose des questions. Vous pouvez me répondre quand même. Qu'est-ce que vous faites de beau? Mince! Vous travaillez, vous faites quoi? Oh là là! J'ai commis tout ce que j'étais voir avec un petit. Vous avez vu les jeunes là? Ils sont venus, ils étaient tout contents d'être avec nous au milieu de nous. Ce sont des outils
dont on ne peut plus se passer, nous, pour pouvoir faire que les jeunes communiquent avec les adultes. Et puis surtout pour aborder des sujets très sensibles. Chaque année, on travaille un projet style citoyenneté ou bien l'égalité garçons-filles, etc. Et tout ce qui est atelier d'éducation à l'image et vidéo nous permet d'aborder tous ces sujets de façon dédramatisée. Je me souviens par exemple d'une anecdote très forte d'un jeune qui s'appelle Mohamed, qui venait du Sénégal et qui a découvert sur le mur du souvenir de Notre-Dame de Lorette, qui est un grand mémorial de la guerre 14-18, le nom de tous les gens venant de la même région que lui, portant le même nom que lui, et le tribut que ces populations ont donné à la France pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça relativise beaucoup la question de l'immigration. Stuck in the middle of loneliness, stuck in the middle of patheticness. I did so many things on purpose. Les collectivités aujourd'hui, elles sont elles-mêmes soucieuses d'avoir aussi une vraie qualité en matière d'intervention artistique et culturelle. Et on essaie justement de voir comment et en quoi nous, on peut être un point d'appui, venir en appui, plus exactement, d'une politique donc territorialisée en matière culturelle et artistique. Le dispositif passeur d'images est très opérationnel et tout terrain, je dirais. Les jeunes sont tout de suite séduits, quoi. Il y a un engouement par rapport à ce dispositif. Le partenariat est intéressant parce qu'il enrichit. Il qualifie les professionnels, il permet de démultiplier les espaces relationnels pour les jeunes. Donc le partenariat n'est intéressant que s'il a duré. Il est très clair qu'on doit avoir un regard tourné vers l'avenir. On prend le meilleur de ce qui s'est fait jusqu'à présent et on est en capacité de faire en sorte qu'on puisse aider et enrichir la boîte à outils que nous constituons tous au profit des coordinations régionales pour faire en sorte que les fondamentaux que porte aujourd'hui l'association continue d'être mise en œuvre et déployée sur l'ensemble du territoire, notamment à l'attention des publics les plus fragiles et les territoires les plus fragiles. Le nouvel élan créé par la nouvelle association Passeurs d'images va permettre d'encore mieux valoriser ce travail sur tous les territoires. Et puis, ça va nous permettre aussi d'inventer le public de demain en continuant d'être un laboratoire sur l'ensemble de l'éducation à l'image et à la citoyenneté. On a tous besoin d'évasion. Voici notre requête sous forme de fiction. Chacun ses moyens de locomotion. Toutes les méthodes sont bonnes tant qu'on y met de la conviction. Bref, ces expériences furent plus qu'un divertissement. Un apprentissage du monde cinématographique et son environnement. Car chaque jour, on écrit le scénario de nos vies. De New York à Port-Saint-Louis.